بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله tout louange tout grandeur est pour Allah subhanahu wa ta'ala la paix bénédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le thème c'est changement climatique et la question de ce qui nous appelle l'équilibre. Autour de nous, à Maurice mais comme ailleurs au monde, nous trouvons qu'il y a un dérèglement autour du climat. Nous trouvons un flash flood, nous trouvons même une vague de chaleur, nous trouvons l'érosion et tout ben quelque chose qui jamais nous pouvait trouver avant et surtout ben quelque chose qui pas cave prédire comme nous ben scientifique appelle lui. Nous trouvons ailleurs un ben incendie, ben feu de forêt comme on appelle dans en Australie ou en Amérique. Nous trouvons aussi un phénomène dans ben pôle ben un moment que fait très chaud, ce qui jamais qui capable d'atteindre. Tout ça ben dérèglement climatique là. Montrer qu'il y a un problème avec le climat. Il y a un problème avec le climat. Mais le climat, il n'y a pas de problème là. Le problème là, il est ailleurs, il est avec nous finalement. Pourquoi, après 10-20 ans, toute bonne recherche peut montrer que nous, Dimoun, l'être humain, à travers nos bonnes actions, à travers nos comportements, à travers nos bonnes modes de consommation, nous peut dépasser toute bonne limite. Il paraît qu'on a une fois capable de nous assiser, donne le tout à Maurice. Tout le monde vide d'une levée. Après quelques temps, nous trouvons faire extra chaud, une chaleur incroyable. C'est ça qui nous appelle l'effet de serre, greenhouse effect. Mais pareil comme ça, nous donne une planète qu'avec les temps, elle passe 100 ans, 150 ans, nous trouvons température, la planète, la Terre, elle peut augmenter. Qui fait? Parce qu'il, surtout, nous servit beaucoup l'énergie. Nous servit une énergie qui appelle fossile, comme un charbon, et surtout un produit pétrolier. Et l'effet qu'il y en a, le pétrole, un cyclone qui est gigantesque et tout ça, un phénomène qui nous fait mentionner là. Une petite chose qui est claire, c'est un phénomène global, entier la Terre, partout, mais aussi c'est une petite chose qui est arrivée localement, dans un petit île, ce qui nous appelle un petit état insulaire. Bizarre agir, et non même dire, il est trop tard, l'effet là, il est là, il nous adapter, et nous besoin trouver une bonne solution. Une réflexion qui nous est capable d'amener, nous retourne par exemple à certains ayats dans le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à qui bizin ena, c'est-à-dire une balance, un équilibre. Vous pensez, beaucoup parmi nous, nous lisons, nous écoutons, nous connaissons surah al-Rahman, surah 55, en tout, trois fois au début même, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, peut faire référence par A'ouzou billahi minash shaitan rajim. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Dans ce même verset là, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala fin élevé bien haut et il fin établir, bon Dieu le Créateur fin établir la balance, l'équilibre, al-mizan. Pour qui nous, Dimoun, ne pas transgresser, Allah tatraufil mizan, pour qui ne pas dépasser ban limite. Et qui, quand, par exemple, quand nous pèsons, mais dans, pas seulement concernant quand nous pouvons faire commerce, nous pouvons peser, mais dans tout quelque chose qui nous pas fausser, nous pas fausser la balance, voilà, torsirul mizan, nous pas fausser ban poids, nous garde ça l'équilibre. Mais au fait, qui nous appelle l'équilibre? Bien sûr, concernant l'équilibre au niveau physique, la planète, l'écologie, la nature, et l'équilibre. Mais il y a beaucoup l'équilibre qui aujourd'hui nous fait déranger, nous fait vraiment fin une façon, l'être humain nous peut dire, il fait faire de sorte qu'il bande l'équilibre là, irréversiblement, ça veut dire d'une façon, d'une bousculée, d'une fin déréglée, d'une façon qui n'est pas capable de revenir en arrière, très probablement. Nous guettons au niveau, par exemple, de la richesse, hein, au niveau de la planète. Un petit groupe d'immunes capable de tenir tout richesse, tandis que la grande majorité, 90%, 99%, de tenir beaucoup moins, si ce soit de temps besoin.
nous trouvons beaucoup de débalancement, beaucoup de déséquilibre, comme on peut dire, au niveau également politique, au niveau pouvoir. Un petit groupe du monde, il y a tout pouvoir économique ou même pouvoir politique, tandis que les autres se peinent à pouvoir. Dans toute façon, nous guettons, nous trouvons un déséquilibre, mais même au point de vue humain. Nous guettons parmi nous-mêmes, du monde par exemple, et la fois, nous capables de trouver dans nos comportements, dans nos façons de manger, dans nos façons de vivre, dans nos, l'aspect de nos professions, et un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, une bonne raison, c'est que souvent, nous finissons oublier nous-mêmes. Quand nous finissons oublier nous-mêmes, ce qui est arrivé, c'est que finalement, nous n'est plus connu que de bonnes limites été. Nous n'est plus connu que de bonnes limites été. Et qui fait, nous, l'être humain, nous, dans sa perdition, oublier nous-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala, et nous trouve dans le Coran, et même en dehors, ben, qui réfléchit, se dit, mais et une fois, nous oublions l'essentiel. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَصْرُوا اللَّهَ فَانْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ Pas vine comme un ban qui fait oublier le Créateur. Quand on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait créer toute chose, celui qui Al-Rahman, celui qui est tout miséricordieux, Allah met le Coran, celui qui fait donne nous et enseigne le Coran, خَلَكَ l'insan qui fait créer nous, عَلَّمَهُ الْبَيَانِ, il donne nous façon pour nous exprimer nous. Quand on oublie lui, effectivement, finalement, nous oublions nous-mêmes. Et quand nous oublions nous-mêmes, nous redonnons de repères, nous redonnons de limites, mais nous ne trouvons pas. Et finalement, nous trouvons la perdition. Sa crise écologique, changement climatique, est réflectée aussi par une crise qui nous est là, comme on nous fait dire, au niveau de la richesse, au niveau économique. C'est une crise également au niveau pouvoir. Mais finalement, il y a une crise aussi à l'intérieur que nous faisons néglige, sinon même oublier le Créateur, celui qui fait créer nous et nous, dans la perdition, parce que finalement, c'est un élément qui donne une balance, un équilibre dans la vie, la dimension spirituelle, nous dit Ali, la relation avec nos créateurs, sa dimension-là, est vraiment quelque chose qui nous fautif et nous fait oublier. Et une bonne chose, pour conclure, changement climatique, c'est un bon signe qui nous trouvait dans la nature, autour de nous. Et si nous on vit vraiment établir l'ordre, si nous on vit revenir vers l'équilibre, bien sûr, il y a besoin d'une technologie, besoin d'énergie renouvelable, besoin d'un bel budget, besoin d'un expert. Tout ça, là, c'est un moyen. À la source, à l'origine, une petite chose qui est essentielle, nous besoin revine vers sa conscience, nos créateurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup. Allah